Eh bien, salut tout le monde, c'est à l'étude Ligue 1, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle draft, voilà. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait, la dernière vidéo c'était la draft des Tots. Donc je vous invite à voir cette vidéo si c'est pas le cas. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Voilà, j'ai réfléchi à un nouveau concept sur draft et tout simplement je vais réaliser une draft en ligne. Là vous voyez que j'ai 766 000 crédits, donc j'ai largement les moyens. Voilà, je vais effectuer une draft en ligne dans laquelle je vais composer les joueurs qui appartiennent à des clubs qui vont sans doute gagner le championnat cette année, parce que c'est vrai que sur tous les championnats on a à peu près une petite idée sur quelle équipe va gagner le championnat tout simplement. Alors quelle formation on va prendre les gars? Ouais, on va prendre cette formation que j'aime particulièrement parce que là il y a la Juventus, il y a Cuadrado. La Juventus va sans doute gagner le championnat, donc on prend Cuadrado, il n'y a pas de souci. On prend Cuadrado, c'est parti. Donc là il y a soit je prends Hummels, soit je prends Godin. Mais je pense que Godin a plus de chances de gagner la Liga BV avec Atlético que Dortmund face au Bayern. C'est pas tip top pour l'instant. On va passer au milieu central en espérant tomber sur du lourd. Et on tombe sur Pastore. Ouais, Pastore sans hésiter, Paris Saint-Germain l'a déjà gagné, donc il n'y a pas de souci. Là j'hésite entre Matuidi et Müller. Donc je vais prendre Matuidi parce que le PSG a déjà remporté le championnat. Je pense qu'on va prendre Lionel Messi parce que j'ai déjà deux joueurs du Paris Saint-Germain, histoire de diversifier un tout petit peu. On prend Lionel Messi, les gars. Il s'agira de Neymar sans hésiter, voilà. Une belle petite draft, franchement. Maintenant, on passe en remplaçant, les gars. Donc, à noter, les gars, que pour les réservistes, c'est moi qui vais les choisir, histoire d'un peu soigner le collectif et de pas donner un truc trop moche, quand même. Là, on va prendre Mesut Özil, je pense. Voilà, Mesut Özil avec Arsenal. C'est les troisièmes de première ligue, donc voilà, ils ont pas mal de chance, même si je pense que Leicester va gagner le championnat. Là on va opter pour, ouais c'est clair, je pense on va prendre Mkhitaryan. Di Maria sans hésiter, je pense, parce que Di Maria, le PSG a déjà gagné le championnat, donc Di Maria. On va prendre Kolopianka pour le collectif. Je vais commencer à choisir mes joueurs, donc on va prendre Kameni pour le goal. Go, il est argentin, donc ça pourrait nous servir. Donc voilà les gars, on se retrouve dès que j'aurai un peu soigné cette équipe qui pour l'instant c'est pas du très très lourd, mais je pense qu'on devrait bien se débrouiller. Les gars sur laquelle on tombe, donc c'est pas trop mal franchement. Je m'attendais à pire. Malheureusement je suis pas tombé sur des joueurs du Bayern Munich, c'est dommage. Voilà, 80 collectif, 86 de notes, c'est pas trop mal. Donc on va tomber sur un adversaire et on va essayer de faire quelque chose sur ce match les gars.